shake it super well. Like, ah! Well, I'm not gonna go shake it more! You go over there! We have people telling you to run! Just wait. Becca, you might want to record just in case it doesn't. Et bienvenue sur cette chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les futurs US. Comment choisir vos classes aux US et que faire de votre temps libre. C'est parti! C'est bon, vous êtes arrivé aux États-Unis, vous allez dans votre lycée pour la première fois, mais voilà, il faut que vous choisissiez vos matières. Alors super, me diriez-vous, c'est fini la philo ou les cours dont j'en ai rien à faire. Je peux enfin choisir quelque chose qui me plaît. Génial. Alors voilà, ceci est le manuel de toutes les classes de mon lycée. Alors, voilà, vous pouvez le voir. Quand j'ai vu ça, ma tête c'était plutôt... Première règle, faites attention à vos camarades de classe. C'est-à-dire, voilà, quand vous choisissez vos classes, je vous montre. Voilà, c'est écrit 9, 10, 11, 12. Ne choisissez absolument pas celle-là. Parce que ça veut dire qu'il y aura des troisièmes, des secondes, des premières et des terminales. Donc si vous allez aux États-Unis pour votre terminale, vous choisissez cette classe, vous allez vous retrouver avec des freshmen, c'est-à-dire des troisièmes, et vous allez vous emmerder. Ça m'est arrivé quand j'ai choisi de faire yearbook. Ils m'ont foutu dans yearbook 1, c'est-à-dire j'étais avec que des freshmen et des sophomores, donc troisième seconde. Très franchement, je me suis fait chier, donc faites vraiment attention à ça. Prenez des classes qui sont marquées 11-12. Vous serez avec des juniors, seniors, et il n'y a pas mieux, c'est ceux avec qui vous allez passer des bons moments si vous êtes censé être un junior ou un senior. Deuxième règle qui s'applique si vous partez entre votre première française et votre terminale française, comme je suis en train de faire maintenant. Faites attention, alors moi je suis en L, donc ce qui fait que je bosse plutôt espagnol, anglais, littérature, un peu d'histoire. Bon, pour le coup, moi c'est un peu facile puisque j'ai déjà l'anglais est obligatoire, enfin je veux dire la littérature est obligatoire, l'histoire géo est obligatoire, ensuite je parle anglais 24h sur 24, donc pour ça c'est bien. Du coup, j'ai pensé à bien prendre espagnol, j'ai pris espagnol 4, mais j'aurais pu prendre AP espagnol parce que c'est à peu près le niveau que je ferai en France en terminale. Si vous êtes en S, franchement, pensez à prendre AP Calculus ou Collège Algébra, des choses comme ça. Mon collège, c'est université, donc ça ne sera pas niveau collège français, ça sera niveau collège USA. Donc vous ferez basically, ce que vous faites en terminale S. Donc franchement, pensez à ça, parce que sinon vous allez retourner en France, aucune idée de ce qui se passe. Pareil pour physique, chimie, bon après c'est à vous de voir, mais le niveau est vraiment bas, pensez pas que c'est parce que ce sera en anglais que ce sera un peu plus difficile. Oui, ce sera difficile au début, mais pensez à prendre des AP si vous êtes en S. Troisième règle très importante, le choix de votre classe va énormément jouer sur votre vie sociale. Donc par exemple, alors c'est un pur exemple, hein, si vous êtes dans le délire agriculture, plante, je sais pas, au lieu de prendre agricultural business, vous prendrez, qui sera plutôt écrire et personne ne parle puisque c'est la prise de notes, vous prendrez plus greenhouse management, c'est-à-dire que vous allez dans la serre de l'école et que vous allez planter des choux, je ne sais pas, et du coup ça favorise la communication, vous allez faire du travail en groupe, etc. Donc c'est beaucoup plus simple, déjà pour le premier semestre, pensez-y. Comme par exemple, voilà, je vous disais, si vous êtes en S, vous voulez continuer à prendre des classes qui vous aideront quand vous retournerez en France, au lieu de prendre, je sais pas, une chimie normale, prenez sciences laboratoire, je sais pas, puisque vous allez être en train de faire des expériences avec
des gens, donc ça vous fera faire beaucoup plus de trucs. Donc pensez à lire un manuel si vous avez un manuel, ou à poser des questions à votre counselor, parce que, ouais, prenez pas vos classes super rapidement comme moi j'ai fait mon premier semestre, parce que j'étais avec des troisièmes, puis c'était plus bossé qu'autre chose. Mon deuxième semestre s'est mieux passé parce que j'avais un peu plus d'expérience dans le choix des matières, donc pensez-y. Franchement, j'insiste sur ce point, si vous avez une classe qui s'appelle Outdoor Education, prenez-la, j'y suis, et franchement, moi je suis très girly, en talons, etc. Mais c'est pas grave, j'ai pris cette classe et ça m'a fait faire beaucoup de choses. Je suis allée faire de l'escalade, je suis allée faire du kayak, de la pêche, j'ai passé mon permis de chasse, je vais passer mon permis bateau bientôt. Je suis partie apprendre à tirer au fusil. Voilà, franchement, ça te fait faire des activités super sympas. Ça te fait connaître du monde aussi, puisque tu parles avec eux. Et surtout, je veux dire, moi, mon organisme américain, qui est Aspect Foundation, n'autorise pas ses étudiants à faire quelques activités dangereuses comme l'escalade ou tirer au fusil. Avec cette classe, vous échappez à la règle puisque vous êtes sous la responsabilité de l'école, donc vous pouvez faire ça. Et ouais, franchement, pensez-y, c'était trop bien. Moi, je suis trop contente d'avoir pris cette classe. Mon frère d'accueil. Maintenant, je vais vous parler des activités à faire aux US, à quoi on pense pas forcément, mais qui sont super fun et qui vont vous aider en quelque sorte à avoir une vie sociale et à sortir un peu le dimanche. Donc la première étant, je sais pas, mini-golf par exemple, voilà. Faites du mini-golf, partez faire du patin à glace, demandez à vos potes faire du laser tag. Laser tag, c'était cool ça. Je suis partie en faire, je sais pas si on a ça en France, mais j'ai fait ça et c'était grave cool. Je me suis amusée comme une gosse. Ouais, donc premier truc, faites ça. Conseil, faites ça. La veillée au feu de camp, on fait brûler les marshmallows et il y a un beau gosse qui fait de la guitare. Si vous êtes dans un état à côté de la mer, vous pouvez faire ça sur la plage. Bon, moi je suis en Arkansas, donc pas vraiment de mer à l'horizon. Mais je sais que j'ai plein de potes qui ont un super grand jardin, bien entendu, puisque l'Arkansas c'est super grand et il n'y a personne. Non, mais je sais qu'il y a, j'ai beaucoup d'amis qui ont un truc exprès au fond de leur jardin pour faire un feu de camp. Je sais pas si c'est creusé ou whatever, mais ouais, franchement c'est un truc super commun ici, donc faites ça en été. Soyez un peu intelligent, voilà, et prenez du chip-chip à moustique, ouais. Le roller avec de la musique disco dans le fond. Alors je ne sais pas faire de roller, mais c'est pas grave, hein. Partez à l'aventure, faites-vous plaisir. Et puis, qui n'aime pas la musique disco, hein? Qui? Il y a l'église! Donc, je sais, c'est bizarre. Je ne suis pas croyante, j'y suis allée une seule fois. Et franchement, c'était super drôle. C'était un concert, le délire, des lumières partout. Les gens, ils chantaient. Non, franchement, c'est cool. Allez-y. Juste pour l'expérience, je suis désolée pour ceux qui doivent y aller toutes les semaines. Ça dépend aussi sûrement des églises, mais. Jesus, I love Jesus. Faites du paintball. Oui, je sais, on a ça en France, mais c'est pas grave. Franchement, il y en a partout ici, et dites que vous avez jamais fait ça et vos amis vont vous emmener. Un autre truc, pendant Halloween, allez dans les labyrinthes de maïs, il y en a pas mal partout, et ça fait peur et c'est cool. Franchement, retenez ça parce que moi j'ai raté et je regrette. Vous vous demandiez, non, je ne sais pas de faire hipster avec mon bonnet. C'est juste parce que j'ai la flemme de me coiffer. Faut absolument que vous testiez Yum Yos. Je sais, ça n'a absolument aucun rapport avec le reste de ma vidéo, mais c'est trop bon. Il faut absolument que vous alliez là-bas. Trust me. Go. Le maïs, le laser tag, le mini-golf. Je pense que j'ai tout dit. Voilà.